Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, avant de rentrer dans une église par exemple, comment vous alliez saluer les gens? Ça vous est déjà arrivé ça? Enfin, je parle d'une époque lointaine, jadis, où on pouvait encore se poser la question si est-ce que je vais faire la bise, est-ce que je vais serrer la main, est-ce que je vais faire un hug, un check, etc. Vous savez, cette période lointaine là où on se posait encore ce genre de questions. Bon, en tout cas, moi, je me souviens. Moi, je me souviens m'être posé ce genre de questions, et pas seulement en église, mais en église particulièrement quand j'étais ado. Quand j'étais ado, vous savez, j'étais le genre de d'ado un peu. Honnêtement, j'aimais bien être avec les gens, j'aimais bien ne pas être seule, j'avais une sorte d'attrait pour le social, mais j'avais très peur quand même. J'étais quand même globalement assez réservée, un peu timide, et en fait, il y avait tout un tas de nœuds dans mon cerveau qui apparaissaient quand il s'agissait de rentrer dans un groupe, hein, mais je crois que c'est un peu tous les ados comme ça, pas tous, mais une grande majorité d'ados. Et j'étais vraiment pleine de bienveillance, mais notamment, il y avait un truc qui m'angoissait, c'était quand même dire salut aux gens. Mais comment on fait pour dire salut aux gens, quoi? Comment on leur dit à la fois, comment on a l'air quand même assez contenant, hein? Il faut garder de la contenance, vous voyez, et en même temps, il ne faut pas avoir l'air mal poli, enfin, il y a tout ce genre de trucs. Et donc, quand j'étais ado, j'avais une sorte de technique qui était absolument géniale. Je prenais un truc avec moi, ça pouvait être un portable, ça pouvait être un jeu vidéo ou un livre, n'importe quoi, mais quelque chose qui me permette de faire semblant de ne pas avoir vu les gens, hein, et de faire semblant d'être très très occupée, et puis jusqu'à ce que la personne vienne d'elle-même me dire bonjour, en fait. Et puis là, je faisais un truc du genre ah bonjour, oui ça va, et là voilà, je sauvais un peu la face, voilà, et je montrais, une fois que j'étais sûre que la personne, j'avais de l'importance pour elle, que je pouvais, voilà, là je commençais à, voilà, ça donnait une sorte d'impression un peu bizarre, voilà, qui laissait pas du tout de doute sur mon aisance naturelle et profonde, en fait, hein. Voilà, donc ça c'était ma technique en tant qu'ado. Voilà, donc c'était un vrai casse-tête de dire bonjour, jusqu'à ce qu'à un moment j'ai compris qu'en fait j'étais pas la seule dans ce cas-là, et puis que dire bonjour c'était pas aller dans un bain de crocodile, en fait, hein, c'était juste montrer aux gens, voilà, que vous comptez pour eux, quoi, qu'ils comptent pour eux, pour vous plus exactement, hein, vous m'avez compris, mais voilà, juste montrer aux gens qu'ils comptent pour vous. Et saluez-vous les uns les autres, ben, c'est le thème d'aujourd'hui. On pourrait avoir l'impression que c'est un thème un peu annexe. On va voir, en fait, c'est quelque chose que Paul utilise, mais pas seulement, Pierre aussi, pour conclure ses lettres aux églises. Et à la fin, il dit « Saluez-vous d'un saint baiser ». On va lire. J'ai choisi un passage dans 2 Corinthiens, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez vous amuser à aller chercher à la fin des lettres que les apôtres écrivaient aux premières églises chrétiennes. Donc il dit ceci: « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, et tous les saints vous saluent. » Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà. Un petit exemple. Il y en a plein d'autres. En fait, il y a les Corinthiens, les Thessaloniciens, il y a les Romains, il y a Pierre qui écrit aussi à plein de communautés d'origines différentes. La première des choses que je voudrais vraiment partager avec vous sur cette question du salut, je vous l'ai dit, c'est pas annexe. En fait, je disais avant que, avant le Covid, on se posait des questions. Aujourd'hui, on se les pose plus. Ouf, c'est bon. On n'a plus de questions à se poser. C'est triste, en fait, en vrai. Mais bon. La question de la culture. Moi, j'ai rencontré ça tellement de fois, de savoir, bah, telle personne, comment elle réagit. Comment... La question du salut, c'est quelque chose qui est totalement différent d'une culture à l'autre. Et voilà, il y a ceux qui... pour qui une bise, c'est hyper agressif. Ceux pour qui un hug, bah, c'est agressif aussi. Mais voilà, d'une culture à l'autre, il y a ceux qui n'oseraient même pas se toucher, quoi. Il y a des questions de culture. Il y a aussi des questions de personnalité. Le salut, finalement, c'est pas un truc si simple, hein, vous êtes d'accord. Et pourtant, c'est vraiment répété à la fin de chaque épître. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, c'est une manière de terminer les lettres, voilà, c'est un peu formel, un peu comme nous, on met cordialement, saluez-vous les uns les autres. C'est pas du tout le cas.
C'est pas du tout le cas. En fait, Paul, quand il écrit ses lettres, il salue, notamment quand il s'adresse aux Romains, il salue tous les gens nommément. Il les salue chacun. Ouais, salut Phoebe, salut Tichic, salut machin, truc. Vraiment, il fait une énorme liste et il salue tout le monde. Et après, il dit encore, bon, saluez-vous vraiment les uns les autres, c'est vraiment important. Et par un saint baiser. Par un saint baiser. Waouh, bon, déjà un élément de réponse qui est vachement, vachement agréable pour ceux qui n'aiment pas les bisous. Saluez-vous par un saint baiser. C'est pas du tout un truc pour terminer une épître. C'est quelque chose qui revient et qui est hyper important. Dans la logique de l'Église des premiers chrétiens. En fait, je discutais avec plein de personnes. En fait, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées parfois dans des églises, notamment les églises catholiques. Et puis il y a un rituel qui s'appelle le baiser de paix. Vous connaissez ça? Bah oui. Et ben en fait, je vais vous dire un truc, c'est que quand il y a un truc qui est beaucoup répété dans la Bible. Ben, en fait, il y a au bout d'un moment, des théologiens qui commencent à se poser la question, bon, il faudrait peut-être qu'on le ritualise, il faudrait peut-être qu'on le mette un peu dans l'ordre du culte pour que les gens comprennent vraiment que c'est très très important. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. À partir du deuxième siècle, on a déjà des traces qui montrent que les églises, elles avaient introduit ça dans leur rituel, dans leur ordre de culte. Il y a la prière, et puis hop, tiens, on se retourne, on fait un bisou, hop, hein. Comment tu vas, etc. Pendant la Sainte Cène aussi, ils s'embrassaient. C'était intégré, ça s'est intégré à un moment dans le culte, dans le déroulement. Mais en fait, il y a un petit problème avec ça. Il y a un petit problème avec ça aussi, parce qu'on se dit, si on le met dans le rituel, les gens vont comprendre que c'est important, que c'est vraiment un truc qui doit transformer, on doit être tellement frères et sœurs qu'on doit s'embrasser. Mais le problème, notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on s'habitue à tout. Moi, je pense que ça devait être vraiment, vraiment dérangeant au début d'insérer ce bisou au milieu de la Sainte Cène, ce bisou au milieu du culte. Et je pense que les catholiques, quand ils ont pensé à réintroduire le baiser de paix là, il y a quelque temps dans leur messe, je pense que ça a dû être hyper dérangeant. Vous imaginez, allez, maintenant vous tournez vers votre voisin et vous faites la bise. Ah, yes, ah oui, c'est vrai, il y a un truc. Peut-être que ça a fonctionné. Je pense même que ça a fonctionné pour certaines personnes de se dire, mais c'est vrai, en fait, on est censé s'aimer un petit peu les uns les autres, c'est censé être un petit peu concret. Mais notre problème, c'est qu'on s'y habitue tellement, on s'habitue même aux trucs dérangeants. Même aux trucs dérangeants, on s'y habitue. Et puis à un moment, et ben, finalement, vous voyez, vous allez dans les messes, et puis vous voyez des gens statiques, ils ne bougent pas, ils ne se regardent pas. Et puis tout d'un coup, maintenant, on se fait le baiser de paix. Et on retourne. Et puis... on s'en va et puis on se dit pas plus bonjour qu'avant, on se dit pas plus au revoir qu'avant, on prend pas plus de nouvelles des uns des autres. Alors imaginez maintenant des gens qui ont pas trop l'habitude, eux, et qui rentrent pour la première fois dans l'église. Et puis ils voient, il y a un rite trop bizarre, et en fait, vous savez, quand il y a un rite, quand on insère un truc dans le culte qui est dérangeant, mais on sait que c'est dérangeant, on sait pourquoi on le fait, on sait le sens profond qu'il y a derrière, et on l'explique, et on... Là, ok, ça peut être compréhensible. Mais si ça n'a aucun sens... même plus pour vous, mais que vous êtes juste habitué aux trucs dérangeants, sans même voir que c'est dérangeant, vous passez juste un petit peu pour des chrétiens crétins, là, en fait. C'est juste voilà, des gens qui font un truc parce que c'est dans le déroulement du culte, et après, on s'en fiche, quoi. Il y a tellement de choses comme ça, en fait, dans notre vie de chrétien. On s'habitue à des choses sans plus poser de questions. Et en fait, moi, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est « saluez-vous les uns les autres », c'est pas un trip rituel, en fait. C'est pas un trip rituel, c'est pas un truc qui est qu'on fait pour faire croire qu'on est bien ensemble. C'est du concreto concret, c'est du purement concret. C'est simplement Paul qui veut dire, mais en fait vous vous aimez les uns les autres, donc montrez-vous que vous vous aimez. C'est comme ce bon vieil exemple du couple. On sait qu'on s'aime, mais si on se le montre jamais. Désolé, mais il y a un moment, ça va faire une crise. Ça va faire une crise. Montrez l'importance que vous accordez à votre frère, à votre sœur. Débrouillez-vous, mais montrez-le. Et en fait, voilà, il y a un truc qui est quand même super important, parce que si on est si on fait juste un rituel, ou même si on commence maintenant, si vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris, que vous allez taper la bise, faites attention aussi à un truc, faites attention à l'hypocrisie, en fait. C'est là, on est dans un message qui est à la fin des épîtres, à la fin des lettres, qui dit, c'est tellement, on partage des choses tellement importantes. Quand Paul écrit aux communautés, c'est pas pour partager les nouvelles...
les nouvelles de la politique, les nouvelles banales, la pluie et le beau temps, c'est des trucs qui sont hyper profonds, qui touchent à la foi, qui touchent à la communion. Et puis après, il leur dit, bon, sur ce, goûtez-le ensemble. Goûtez tout ce que je vous ai dit, goûtez-le ensemble, vivez-le ensemble. Et en fait, scellez-le par un baiser quelque part. Scellez-le par un baiser. C'est tellement important que vous le vivez ensemble, en fait. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais dire. C'est pas un trip rituel, c'est pas un truc hypocrite, c'est quelque chose qui est au cœur, qui doit être, en fait, qui doit venir de notre naturel, qui doit être totalement naturel. Et je vous parlais avant, quand j'étais ado, au bout d'un moment, j'ai compris que le naturel, ben, ça se travaille. En fait, tu fais un effort, tu sors de ta zone de confort, et puis au bout d'un moment, tu es plus à l'aise avec toi-même, et tu es plus à l'aise avec les autres. Et en fait, on est tous comme ça. En fait, quand on rentre dans un groupe humain pour la première fois, on ne sait jamais vraiment où se mettre. On est toujours un peu gêné, c'est normal. La première fois, on sort un peu de sa zone de confort, on se fait un petit peu violence. Et puis la deuxième fois, on est super bien. Ou la troisième fois, ou la quatrième fois. Ben, ça dépend des tempéraments. Mais en fait, voilà, c'est une sorte de jeu social, mais qui dit en fait simplement ce qu'on désire au plus profond d'entre nous. Je désire te connaître. Je désire partager ce que Christ m'a donné, la plus belle des choses, je désire le partager avec toi. Donc ce n'est pas un trip rituel, c'est notre essence en fait. Autre chose que j'ai envie de dire sur ce « saluez-vous les uns les autres », on a dit « saluez-vous les autres d'un saint baiser ». D'un saint baiser. Donc en fait, il est hyper précis. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, mais la culture en Grèce, bon, c'était pas scandaleux hein, de se faire des embrassades. Mais bon, au Japon, c'est pas pareil. Moi, je suis pas trop d'accord, je suis pas trop bisou-bisou, donc j'ai pas trop envie, je préfère un truc qui corresponde à ma culture. Alors, certes, la culture, elle rentre en jeu. Et en fait, c'est important d'en prendre conscience. Et si vous allez pour la première fois en Corée et puis que vous commencez à taper la bise aux gens, ils vont vraiment crier au viol. Hein. Donc, non, il y a des choses culturelles, il y a des attentions à avoir. Mais en fait, ce que dit Paul et ce que disent les apôtres, c'est qu'il n'y a pas que du culturel. Et quand il insiste sur le baiser, quand il insiste sur ce bisou, sur cette bise, sur cette embrassade, ou ce que vous voulez... En fait, il est en train de dire dépassez vos préférences personnelles, dépassez vos convenances culturelles, dépassez tout ce que vous connaissez, vous croyez connaître de la politesse. On est au-delà, en fait. On est au-delà de ça. Pendant tout l'été, en fait, on a passé notre temps à dire finalement, cette église, c'est quasi organique, c'est une famille, en fait. C'est pas toujours... Alors au début, c'est même flippant, hein. Ça peut être flippant pour certains. Ils ont des problèmes de famille, ils n'ont pas envie de retrouver les mêmes problèmes. Voilà, il y a des guérisons à opérer, c'est compliqué. Mais la réalité, c'est ça, en fait. Ce que veut nous faire goûter Jésus, c'est une famille dans laquelle, justement, tu guéris, dans laquelle, justement, tu peux exercer l'amour sans arrière-pensée. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Et donc, ça, on dépasse la culture, on dépasse nos convenances personnelles. On dépasse ce qu'on croit savoir et de la politesse de tel machin, de tel machin. Alors, je veux juste vous donner un exemple. Il y a quelques temps, on a beaucoup partagé avec des Coréens qui sont venus ici. Hein, certains les ont rencontrés, des frères et sœurs coréens qui ont une toute autre culture d'église que nous, en fait. Une culture, une culture de pays, mais une culture d'église aussi, différente. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que la première fois qu'on s'est vu avec les Coréens, la première fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens, sur le parking de l'église, on était là et moi j'avais travaillé, hein, j'avais dit « Ah oui, c'est vrai, en Corée, on fait, voilà, on fait « Ouais, bonjour !» avec un grand sourire. Par contre là, c'est important, il faut qu'il y ait du super sourire. Il faut que votre visage il soit illuminé d'un sourire qui déchire tout. Et donc voilà, ils étaient là tout gênés, « Ah, voilà, tout !» Alors on n'osait pas trop se parler, tout. « Ah, on rigolait, on forçait un petit peu sur le... » C'était trop mignon. On aurait eu l'impression d'avoir un petit dessin animé de manga. C'était trop chou. et en fait, le soir, on a eu des réunions de prière avec eux. Et là... Alléluia, ma sœur, et paf, et vas-y que je te fais un hug, et je t'attrape, et je t'embrasse, et tout. J'étais là, est-ce que c'est la même personne? Non, mais c'était hallucinant. C'était hallucinant. Et en fait, mais j'ai trouvé ça tellement beau. En fait, ils ont une culture. Et une fois qu'ils sont dans l'église, mais ils s'aiment, et ils ont envie de te montrer l'amour. Ils sont tellement contents de se faire des bisous, quoi. Ils sont tellement contents de se serrer dans les bras.
ça m'a fait chaud au cœur. Je vais vous dire vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et là, j'ai vu l'exemple de gens qui se dépassaient, qui dépassaient totalement leur culture. Et un exemple beaucoup plus physique que j'ai envie de vous donner. Et après, bon, on verra, on va tempérer tout ça. Mais un exemple vraiment physique que je voudrais vous donner, c'est récemment, j'ai gardé, on a gardé avec Julien deux petites filles. Et il y en avait une, elle avait à peine 1 an et 3 mois, à peine sevrée, parce que sa maman était allée accoucher, et puis donc avec le papa qui accompagne. Et tout d'un coup, elle se retrouvait avec nous. Alors, elle nous connaissait un peu, mais c'était la première fois à peu près qu'elle était gardée pendant si longtemps, et puis elle ne savait pas ce qui se passait. Elle était en panique, mais traumatisée, quoi. Et moi aussi, j'étais en panique. Hein, donc vous savez, quand vous devez garder un enfant, il est en panique et vous êtes en panique aussi. Vous connaissez ce genre de situation maman, papa, ils sont où? Maman, papa. J'étais là. Et je lui explique. Non, mais maman, elle est à l'hôpital, machin. Maman, papa, les larmes qui coulent et qui me regardent dans les yeux. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez volé, vous m'avez... Et tout d'un coup, je suis démunie et je prends la petite et puis je pose ma tête contre elle. Et vous savez, je sens son cœur, il battait tellement vite. Et tout d'un coup, poum, 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 et le cœur, il baisse. Et en fait, d'entendre son cœur qui baisse, ça a fait baisser le mien. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, juste le pouvoir du câlin pour cet enfant, ça a été salvateur en fait dans cette circonstance. Elle a physiquement, ça lui a fait baisser son stress. Et vous savez, c'est drôle, je parlais avant des tempéraments, je disais, il y a des gens, ils sont bisous, d'autres, ils ne sont pas du tout bisous-bisous. Moi, à la base, je ne suis pas très bisous-bisous. À la base, je ne le suis pas trop. En tout cas, disons que j'ai des choses dans ma vie qui font que j'ai pris des distances par rapport à ça, et puis pendant un temps, plus exactement, hein, j'ai été blessée par rapport à ça. Et donc, je faisais attention. C'est plutôt ça, en fait. Quand tu n'es pas très bisous-bisous, mais que tu te rends compte du pouvoir du bisous-bisous, je sais pas, ça fait comme une réconciliation en toi. Ça fait comme une réconciliation. Tu te dis, mais en fait, c'est tellement puissant. Je suis peut-être quand même reconsidérer un petit peu la question. Hein. Parce que si par un simple câlin, par un simple geste affectueux, j'arrive à apaiser une personne, en fait, moi aussi, je suis apaisée. Moi aussi, je suis apaisée par le geste que je vais lui faire, que je vais lui montrer, etc. Et moi, ouais, je me suis dit, waouh, le pouvoir du physique, du contact physique. Et vous savez... moi, je suis. Ça me fait chaud au cœur de voir que l'Église des premiers chrétiens, c'était pas juste des théologiens hyper secs et des cerveaux sur pattes, en fait. C'était des gens avec des corps, avec des âmes, avec. Ils vibraient et en fait, ils avaient à cœur de partager comme une famille. Ça, c'est vraiment la chose que je veux partager. C'est tellement fort, en fait, l'Église, que tu vas être amené à dépasser tes convenances personnelles, tes préférences et ta culture. Tu vas considérer ce qui fait du bien à l'autre et comment l'autre y résonne. On parle beaucoup de langage d'amour, en fait, et les gens, on a des préférences, des trucs comme ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que l'Église, elle te pousse à, Christ te pousse à considérer non pas le tien, mais celui de l'autre. Et si chacun... considère le langage de l'amour de l'autre, et ben en fait, on a vraiment beaucoup plus de chances de se comprendre. C'est génial. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la chose que je voulais dire. C'est pas qu'une question de culture. Faisons vraiment attention de pas se dire, bon, ben voilà, une église en Inde, et ben, on va jamais se taper sur l'épaule, on va jamais se toucher. Au début, tu fais attention. Mais le but, c'est de montrer vraiment avec tout ton corps que tu aimes cette personne. Et donc, en fait, tout est possible. Quand il y a un amour sain. On va y venir sur ce sain. La troisième des choses que je veux vraiment partager avec vous, c'est ce saint baiser. Il insiste vraiment sur ce saint baiser. Paul, Pierre, et sur le fait qu'on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de parler de n'importe quoi, hein, quand on dit « saluez-vous d'un saint baiser ». Et il y a un enjeu dans l'Église, c'est de sanctifier nos relations sociales. Dans le monde, et dans notre vie, on a tellement d'exemples de relations sociales qui sont tordues, qui sont intéressées, dans nos propres familles, hein, même, qui sont biaisées, où il y a de la jalousie, où il y a de l'intérêt, du calcul, bref. On a tellement d'exemples de ça. Et dans l'Église, on veut pas retrouver ça. Et Jésus ne veut pas qu'on retrouve ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont encore trop tellement blessés qu'ils vont reproduire des schémas. Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qu'on veut.
On veut sanctifier nos relations sociales. Et sanctifier nos relations sociales, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire dépasser ce qu'on a dit, dépasser la règle de politesse. Déjà, ça, c'est la première des choses. Dépasser la simple politesse. On n'est pas... Dans le monde, moi, je crois qu'il y a besoin de mettre certaines règles pour que les gens soient relativement gentils entre eux et que ça parte pas en cacahuète tout le temps. Et donc, on met « bonjour, s'il vous plaît, merci », on met des règles. Mais là, on parle de plus, on parle d'amour. On parle de partager l'essentiel. Donc déjà, sanctifier la relation sociale, ça veut dire prendre conscience que la personne à qui tu parles et que tu aimes, en fait, elle va partager le royaume des cieux avec toi, elle va partager la vie éternelle avec toi. On n'est pas juste en train de se dire bonjour s'il te plaît pour apaiser un truc qui fait que la personne va moins être tentée de te mettre un coup de poing dans le visage. C'est pas comme ça. On n'est pas juste dans l'église, dans une société policée. On dépasse la politesse, ça c'est la première des choses. Il y a une autre des choses, sanctifier les relations sociales, ça veut dire prendre conscience que la réserve dans la manifestation de notre amour n'est pas biblique. Et ça, c'est vraiment, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la réserve n'est pas biblique. Ah, moi, je suis réservée. J'étais la première à le dire, moi. Ah, je suis réservée. Non, je ne suis pas timide, mais je suis réservée. Je suis attention. C'est pas biblique. La réserve dans la manifestation de l'amour qu'on se porte, c'est pas biblique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être agressif, mais ça veut dire qu'il ne faut pas être... Enfin, la réserve, en fait, est basée sur quoi ? Sur la méfiance. La réserve est basée sur la méfiance et sur le fait que je soupçonne le mal. Il y a encore un autre verset qui dit « Ne soupçonnez pas le mal ». Il y a des versets qui disent « Oui, soyez prudent comme un serpent, mais soyez doux comme la colombe ». Prudent au sens... n'oubliez pas que voilà, il y a des trucs où votre intelligence elle continue à tourner, mais donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si on commence à se méfier, eh ben en fait, c'est qu'on n'est pas dans la logique du royaume en fait. Donc la réserve dans la manifestation de l'amour, dans la manifestation de à quel point l'autre est important pour moi, c'est pas biblique. Et j'en viens vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure. En période Covid, post-Covid, on se dit c'est bon, il n'y a plus de questions à se poser, hein, on ne se serre plus la main, on ne se tape plus la bise, on ne fait plus de câlins, c'est cool. Les timides, ils sont contents. Non. Moi, je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça, en fait. Enfin, on peut pas se. En tout cas, mentalement, vous voyez, je ne dis pas qu'il y a des situations de crise dans lesquelles on ne va pas faire. Mais. On ne peut pas se contenter mentalement, axiomatiquement parlant, dans notre tête de ça. Se contenter de se dire c'est cool, en fait. J'ai entendu des personnes qui disent c'est on va faire comme les Japonais, on va se dire bonjour comme eux, ils vivent très très bien. Bon, mais écoutez les gens, je vais parler crûment, mais les familles vont continuer de se voir, les bébés ils vont continuer à se faire, hein, on ne va pas avoir des masques et un gant pour faire des bébés. Et les Japonais aussi, ils font des bébés, d'ailleurs. Je veux dire, en fait, il y a un truc, il faut quand même qu'on n'oublie pas qu'on est fait pour interagir, on est fait pour voir nos visages, on est fait pour rire, on est fait pour avoir du contact physique. On ne peut pas se contenter, en fait, de cette situation-là. On ne peut pas être content de vivre dans une société aseptisée. Moi, je ne trouve pas ça cool, en fait. Et je ne pense pas que ce soit ce que Jésus nous demande. Donc la société aseptisée, moi j'ai dit non. En tout cas pas dans l'église. Même si on est obligé de respecter entre guillemets des règles parce que le gouvernement l'a dit, dans ma tête moi je l'accepte pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est comme de dire dans ma tête moi je vise une église dans laquelle on se fait des gros câlins et même si aujourd'hui je suis obligée d'aller au-delà de votre masque. Dans ma tête, je vous fais un gros câlin, vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur, mes émotions vous font un gros câlin. Et ça, c'est trop important. Donc, moi, je trouve qu'il y a un truc vraiment important là-dedans. Je me mets au niveau de compréhension de l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dit tout à l'heure.
c'est sanctifier nos relations, c'est aussi comprendre comment l'autre y fonctionne. Je disais avant, si on a différents langages d'amour, mais je pense aussi on a différentes blessures. Moi, je crois que les gens qui ont beaucoup, beaucoup de mal avec les bisous, c'est pas qu'une question d'éducation, c'est aussi souvent une question de blessure. C'est aussi souvent une question de j'ai trop peur. J'ai trop peur, je me méfie, et donc, voilà. Du coup, l'amour dans ces circonstances, c'est comment? Comment est-ce qu'on fait pour saluer dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on fait? Ben moi, je crois moi, j'admire et je crois vraiment à la puissance des gens qui sont hyper câlins, mais qui, pour préserver une personne, vont d'abord faire très attention et ne vont pas l'agresser dans sa blessure. Mais je crois aussi au sens inverse, à ceux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec les bisous, qui sont vraiment d'un tempérament, entre guillemets, réservé. Je crois beaucoup en la capacité de ces personnes-là de dépasser un peu ça et d'être capable de manifester de l'amour à une personne qui est apaisée par les câlins. Comme la petite fille que j'ai serrée dans mes bras, il y a des personnes, enfin c'est le plus évident, la plus évidente des marques d'amour. Et d'être capable, quand tu n'es pas trop câlin, de mettre une main sur l'épaule et de dire « Tu sais, je compatis vraiment à ta situation. Tu sais vraiment, ça, moi j'y crois. Ça, moi je crois que c'est... ça, je crois que c'est l'Église. Ça, je crois que c'est sanctifier nos relations sociales. C'est être capable de considérer l'autre plus que soi. Et pas juste de se contenter de dire « Ah ben non, moi je suis timide, c'est comme ça, vous me prenez comme je suis. » Tout le monde peut dire ça, mais alors il n'y a pas d'Église. Moi je suis comme je suis, il n'y a pas d'Église. On fait tous un pas pour comprendre l'autre où il en est et pour lui manifester notre volonté de l'aimer. Il y a une autre chose, sanctifier nos relations sociales, ça veut dire aussi attention à ne pas reproduire tout ce que je disais avant, les schémas tordus du monde dans nos relations dans l'Église. Et ça veut dire aussi attention à la séduction. Ça, je suis vraiment très sensible à ça aussi. S'embrasser les uns les autres, se saluer les uns les autres, on n'est pas dans une dynamique de séduction. En fait, c'est très injuste, on pourrait dire, parce que y a des gens, ils sont très à l'aise avec les relations sociales. On a beaucoup parlé de ceux qui n'étaient pas du tout à l'aise, mais il y a ceux qui sont très à l'aise aussi. Moi, il y a des gens, ils m'épatent, ils viennent dans quelque part, et ils sont juste avec un sourire, et puis c'est bon, ils ont emballé la salle. Ils ont emballé les gens, et tout. Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Oui, il y a des gens, ils sont très à l'aise. Il y a des gens, ils sont aussi très à l'aise parce qu'ils ont un esprit de séduction aussi. Donc, il faut faire attention à ça aussi. On n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler de ça. Attention à ça aussi. Et moi, je parle justement aux personnes qui ont peut-être justement ce tempérament très enjôleur. Faites aussi attention. Faites aussi attention. Là aussi, sanctifiez vos relations. Et là aussi, considérez l'autre plus que vous. Quand je viens quelque part dans une église, quand je viens dans un groupe de frères et sœurs, mon but, c'est pas de saluer pour montrer à quel point je suis à l'aise. C'est pas de montrer à quel point regarder comme moi je sais faire, quoi. Regarder comme pour moi c'est facile. Non, considérer l'autre là où il en est. Donc attention aussi à la dynamique de séduction. C'est très important ça aussi. Parce que entre celui qui est vraiment, vraiment pas à l'aise et celui qui est trop à l'aise, les deux ont des efforts à faire. Les deux ont à entendre l'évangile qui crucifie certaines choses. On crucifie en fait certaines choses en nous pour pouvoir se mettre au niveau du royaume des cieux, pour pouvoir accéder à ce mystère qui sera complet dans les cieux, mais que Jésus veut déjà nous faire goûter un petit peu. Alors voilà, frères et sœurs, j'aimerais qu'on prie et puis qu'on se mette à disposition de son propre cœur, chacun de notre propre cœur, et puis aussi de chercher à comprendre où en est l'autre. Et voilà, prenons cette injonction, saluez-vous les uns les autres, non pas comme un truc accessoire, non pas comme un trip rituel, non pas comme un truc culturel, mais comme une vérité évangélique en fait. C'est une vérité évangélique qui est directement liée à aimez-vous les uns les autres, à servez-vous les uns les autres, à accueillez-vous les uns les autres. C'est la même réalité. On prie ? Oui, Seigneur Jésus, merci parce que là aussi tu as été un exemple et tu as inspiré tes apôtres pour animer les premières églises et tu nous inspires encore nous.
pour nous permettre de nous remettre en question et d'être totalement disponible à nous-mêmes et disponible pour manifester l'amour à notre frère, à notre sœur. Merci parce que dans ta parole, on voit comment toi, tu étais avec les gens et force est de constater qu'on a du boulot. On a du boulot entre nous, on est parfois timide, on est parfois trop séducteur, on est parfois juste pas assez intéressé par notre frère, par notre sœur, parfois trop indifférent. Et on a tellement de boulot chacun, en fait. Et je te demande que tu viennes nous inspirer pour nous permettre de voir où nous en sommes, mais concrètement, réellement, pas juste dans notre fausse idée de nous-mêmes, que tu nous permettes de voir où on en est réellement et de venir sanctifier nos relations, notre manière de saluer notre frère, notre sœur dans l'Église, que tu viennes nous éclairer là-dessus très très concrètement. Et je veux te remercier parce que dans ton Église, on flotte pas sur des nuages, on n'est pas des cerveaux, on n'est pas non plus juste des gens en transe qui essaient de quitter la réalité. Au contraire, ce que tu nous invites à être, c'est des enfants de Dieu, mais adultes dans ce monde, des gens qui ont les yeux sur le royaume des cieux, mais les pieds bien sur terre, qui ont un esprit qui habite avec toi et qui communie avec toi, et des corps qui manifestent l'amour les uns pour les autres. Tout ça en même temps. Et donc vraiment, voilà, que tu viennes révéler ça à chacun d'entre nous et que collectivement on puisse se glorifier, que tu sois pleinement au milieu de nous et qu'on puisse se saluer les uns les autres avec ton amour. Amen.